Salut tout le monde, retour pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer mon casque virtuel. Regardez ici, t'as un casque virtuel. Dedans, t'as les lentilles qui fait que t'es comme dans le jeu. Ici, t'as les écouteurs du casque virtuel que tu rentres dans le petit trou qui est ici. Ici. Vous voyez ici le trou là. Tu rentres ce. Là-dedans, dans le trou. Ici, c'est la commande du casque virtuel. Avec le petit trou ici. C'est ta commande. Genre, ici, c'est pour allumer le casque virtuel. Puis pour l'éteindre. Ici, c'est pour bloquer le son du microphone, je crois. Ici, en fait, je veux dire des écouteurs. Ici, c'est pour monter le son quand tu as les écouteurs. Ici, c'est pour enlever du son des écouteurs. Petite manette, genre quand tu joues à Job Simulator. Je sais même pas si je vais le dire. Et si t'as les chargeurs, tes petites manettes. Que là, c'était les chargeurs des manettes. Là, c'était des manettes pour jouer genre à Job Simulator puis à plein d'autres jeux. Là, je vais vous montrer. Ici, t'as le truc qui peut être truc à des fils plug après. Bon. Là, je vais vous montrer mes jeux VR. Ben, j'en ai plein d'autres à PlayStation. J'ai Job Simulator et tout. Et Batman Arkham VR. Ici, c'est une démo disque qu'il y avait déjà dans la boîte du casque virtuel. GTA 5, il n'est pas VR, mais on peut jouer quand même avec le casque. PlayStation VR Hall, il y a plein de jeux dedans, puis tout, genre te l'endormir, c'est un jeu de guerre. Ici, c'est un jeu qui coûte très cher sur PlayStation Store. Sur le jeu de la cassette. Oui. Moi, c'était pas mal tout. Ah. Ok. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un like. À vous abonner. Et à la prochaine vidéo. Oh! À la prochaine vidéo. N'oubliez pas de laisser un like, à vous abonner. Et à la prochaine vidéo. Ciao!